Nous avons maintenant le plaisir de parler avec un jeune pilote genevois qui participe au championnat d'Europe d'endurance. C'est vous, Mathias Bech. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, vous participez justement à ce championnat du monde d'endurance. Un mot d'abord sur ce salon de Genève, un moment spécial, j'imagine, pour vous, pilote. Bah oui, pour nous, c'est toujours un grand rendez-vous. C'est super d'être présent ici. Quel beau salon. On a beaucoup de chance à Genève. C'est aussi un moyen de rencontrer nos partenaires et peut-être nos futurs partenaires pour la saison à venir. Des partenaires qui sont importants, on va le voir tout à l'heure. Alors, Harold Prima, qu'on vient d'entendre, court dans le championnat du monde en LMP1. Vous, c'est en LMP2. Alors, quelle est la différence et puis qu'est-ce que ça veut dire pour les néophytes? Alors, globalement, pour les néophytes, ça veut dire que bon, le budget est un petit peu inférieur au LMP1. Donc, les coûts sont maîtrisés. Ça reste toujours des budgets importants, mais sont maîtrisés. Et puis, on a 50 chevaux de moins, donc on est un petit peu plus de 500 chevaux sur les voitures au lieu de 550. Et une aérodynamique un petit peu moins travaillée. On a toujours des performances très, 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 très élevées. On se situe environ à une seconde et demie des voitures LMP1 essence. Alors, vous avez réalisé une très belle saison hein, de 2011. Vous avez les deux victoires, notamment au palmarès. Lors des 1000 km de Spa-Francorchamps et Estoril, ça les connaisseurs apprécieront. Hein. Vous continuez l'aventure avec le team Thierry by TDS qui vous renouvelle sa confiance. J'imagine que c'est une belle marque de prestige et puis d'enthousiasme pour la suite. Tout à fait. D'une part, c'est exceptionnel de pouvoir poursuivre l'aventure avec la même équipe. C'est vrai qu'on a fait une superbe saison l'an dernier avec quelques pole positions. La victoire aux 1000 km de Spa-Francorchamps devant tout le gratin et avant les 24 heures du Mans. J'ai la confiance de Thierry comme partenaire principal, ainsi que Goodwill et Cubic qui sont mes partenaires pour cette saison. Et c'est vrai que grâce à ça, on arrive à monter un très beau projet. On espère faire de grands résultats. Alors, des bons résultats l'an dernier, des bons résultats sans doute cette saison, et puis cette confiance renouvelée qui prouve que vous avez déjà fait, malgré votre jeune âge, hein, vous avez 25 ans, vous avez fait une belle évolution dans le sport automobile. Vous avez fait preuve aussi de débrouillardise. Hein. Vous avez suivi il y a quelques années sur les Monts Bleus. Tout à fait. Les Monts Bleus m'ont pas mal suivi. C'était bien justement de voir mon parcours. J'ai commencé très tôt le kart. Eu énormément de difficultés parce que dans ce milieu, quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est très, très compliqué. Donc, j'y suis allé à la débrouillardise. Je me suis exporté en Asie. Je suis revenu avec la Formule Le Mans pour mettre un pied dans l'endurance puisque la F1, c'est très, très compliqué quand on n'a pas les moyens. Et puis aujourd'hui, je suis en passe de réaliser un de mes objectifs principaux, les 24 heures du Mans, et puis bien figurer en championnat d'Europe comme l'an dernier, voire mieux. Alors, j'imagine que la pause hivernale, elle est bien remplie pour vous. Hein, vous ne restez pas les bras croisés, il faut travailler le physique, et puis il faut mettre au point, régler minutieusement les voitures. Comment s'est passée la préparation là? Alors, la pause hivernale, justement, on peut peu faire de tests puisque les coûts sont justement maîtrisés. En revanche, le gros travail se situe au niveau des pilotes. Donc, j'ai fait une préparation physique intense avec en moyenne 3 heures de sport par jour pour être vraiment blindé pour cette saison de course, tenir le choc pour les 24 heures du Mans puisque c'est une course qui est éprouvante pour les pilotes, pour les mécaniciens, pour les machines, pour toute l'équipe. Pour le Mans, c'est la plus grande course du monde, 280 000 spectateurs, une ambiance unique. Je crois que ça va être un grand moment pour l'équipe et pour les partenaires. On espère en plus, on espère pas mal de cette course pour notre première participation. Je crois qu'on a tout pour bien faire, bien figurer. Donc on va se battre, on va essayer d'une part d'aller jusqu'au bout. Et puis ensuite, je crois que si on va jusqu'au bout, on sera très bien placé et on croise les doigts pour cet événement hors du commun. Un mot enfin pour terminer sur votre ami, hein, votre ami proche Romain Grosjean qui retrouve enfin la Formule 1. Tout à fait, ouais, c'est génial pour Romain. Moi, je lui souhaite que du bonheur. La Formule 1, c'est extrêmement dur. Il n'est pas là pour Genève, mais vous savez, l'emploi du temps d'un pilote de Formule 1, c'est très, très chargé. On a beaucoup de choses à faire hors de la voiture, les médias. On a peu de temps pour nous et malheureusement, il est pas présent ici, mais on va le suivre de près et je me réveillerai pour voir le premier Grand Prix en Australie dans peu de temps. Je lui souhaite que du bon et surtout de prendre du plaisir. Merci en tout cas Mathias Bech. 6 courses vous attendent cette saison. Je vous souhaite plein succès et bonne route. Merci Pascal. Merci à vous.